Nous avons ici un laser et un demi-disque de plexiglas. Notre but sera de bien mettre ces deux éléments pour que la trajectoire du laser ne soit pas déviée. On va devoir tout d'abord mettre le zéro au niveau de l'axe optique, ici. On va donc le tourner. Ensuite, grâce à cette languette, on va pouvoir observer le faisceau du laser. On va donc devoir modifier la position du laser pour que le faisceau passe par zéro, comme ceci.